Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soborne. J'espère que vous allez bien. Les gens se posent la question de savoir, mais est-ce que quand les sorciers sont derrière vous, est-ce que vous pouvez réussir? Est-ce que le diable peut-il vous empêcher de réussir? Parce que souvent on entend les gens dire, ah, les sorciers sont derrière moi, les sorciers me fatiguent, ah, les sorciers, les sorciers, les sorciers. Aujourd'hui, Dieu me demande de vous dire la vérité sur ça. Est-ce que les sorciers peuvent-ils réellement vous empêcher de réussir? C'est ce que moi je vais vous dire ici. Soyez prêts. Déjà, vous devez savoir un truc. Vous devez savoir que quand vous venez sur la terre ici, les sorciers déjà sont informés de tout sur vous. Oui, ils viennent et regardent votre étoile pour voir si vous allez réussir demain. Si vous aurez beaucoup d'argent, de la thune. Et déjà à ce niveau-là, pendant que vous êtes bébé, là, eux déjà, ils commencent la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont en guerre contre le bébé qui vient de naître à cause de son étoile. Donc ils vont faire quoi? Ils vont le combattre d'une manière, non. Vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Ce que vous allez voir, c'est que le bébé pleure beaucoup. Ou bien il tombe souvent malade. Mais Dieu le délivre toujours. Maintenant, si vous voulez voir dans la Bible ce fait-là, ou si vous voulez voir vraiment ce fait-là dans la Bible, allez voir ce qui s'est passé à la naissance de Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde, il y avait trois mages, c'est-à-dire des gens des voyants, ils ont vu le temps de Jésus-Christ, ça m'a commencé à sauter là-bas. Ouh, il y a quelqu'un qui a un grand nez, il faut qu'on aille voir où il est positionné et lui donner des cadeaux. Peut-être que nous aussi, on sera bénis. C'est là les trois mages sont allés là-bas. Ils ont vu Marie, la maman. Ils ont vu son papa. Ils ont commencé à donner un cadeau et tout ça. Et c'est après, ils ont informé le roi qu'il y a un grand qui est né et tout ça. Lui aussi, il disait, hé, avant il est né. Mais donnez-moi sa position avec moi aussi, il puisse aller lui offrir des présents. Ça, c'était le diable. Là, le diable est incarné en même temps. Ouh, le diable a possédé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, là, maintenant, a cherché à tuer l'enfant. Quand le roi a cherché à tuer l'enfant, que s'est-il passé? Dieu, dans sa grande bonté, il n'a pas permis cela. Il a vu le mal venir de loin. Il est venu dans le sommeil de Joseph en même temps, le papa de Jésus sur la terre ici. Oh, le père adoptif, écoute! Il y a un malheur qui arrive de loin. Il y a quelqu'un qui veut tuer l'enfant là-haut. Il faut te déplacer, va dans une autre ville. Quand on va te donner l'ordre, tu vas revenir. Dès que le papa de Jésus, dès que le père adoptif de Jésus-Christ a entendu ça net, il a pris en compte tout, il a pris en compte le message de Dieu. Voici comment il s'est déplacé. Quand il s'est déplacé là, est-ce que le roi n'a pas fait du mal aux gens là-bas, à cette période-là? Mais bien sûr que oui. Il a tué les gens qui avaient l'âge de Jésus-Christ. Les bébés, il a commencé à les magataper d'une manière, non? Il a commencé à les tuer parce que lui, il avait peur qu'une personne dans l'avenir vienne prendre sa place. Est-ce que vous voyez, non? Ce que vous venez de voir là, c'est ça même le combat d'une personne dont l'étoile brille. La manière les sorciers sont chauds sur une personne à cause de son étoile qui brille. C'est la même chose, il n'y a rien que ça, il n'y a rien que ça. Maintenant, dites-moi, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a atteint son objectif ou pas? Mais bien sûr que oui! Il a atteint, bien évidemment, ses objectifs. Le diable, ni ses sorciers, ni ses démons n'ont empêché cela de se réaliser. Mais il a souffert. Mais ils l'ont fait souffrir. Oui, parce qu'il était tout en guerre contre ses ennemis, qui étaient nombreux. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Écoutez-moi bien. Si toi tu vas dans une église et on dit que oh, toi tu seras béni, ton étoile brille, tu vas réussir. Ça veut dire ça maintenant. Faut te mettre à genoux, faut dire Seigneur, faut cesser en plomb. Pardon. Pardon. Faut voir mon cas là. Viens me protéger en même temps, c'est mieux. Parce que le combat qui va commencer à finir sur toi, c'est Dieu ce qui connaît. Mais tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas te décourager. Oh. Si tu vas jusqu'au bout là,
tu vas réussir. Mais ça ne sera pas facile. Toutes les personnes qui ont les promesses de Dieu sur leur vie vont rencontrer des difficultés. C'est là que tu vas remarquer que depuis que toi tu es né, tu tombes malade. Chaque période, tu es malade, tu es malade. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. En conclusion, si toi tu as des sorciers derrière toi qui veulent te nuire, qui ne veulent pas te voir réussir, lève-toi dans la prière. Connais-toi à Dieu. Connais-toi à qui? À l'Éternel, à Dieu. Et lui va envoyer son ange toujours pour t'informer de ce que tes ennemis font contre toi. Pendant que tu as dormi en songe, Dieu va te montrer ça. Dieu va te révéler tout. Il va te dire, écoute, regarde, tu vas réussir, mais regarde ce qui est autour de toi. Tu as des amis qui ne sont pas de bons amis, qui font même de la magie sur toi, mais tu n'es pas au courant. Regarde ce qu'ils font. Et Dieu te montre leur visage en songe. Et il te dit en même temps, écoute, si tu veux réussir, et non, il t'a dit, ce que Dieu va te demander de faire là, en songe, là, même dans la Bible, si toi tu veux réussir, si tu ne veux pas trop souffrir, écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te demande de faire. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire là, tu vas pas trop souffrir. Tu vas sauver ta vie, tu vas sauver ton âme. Parce que le diable, c'est un voleur de toi. Ce qu'il veut, c'est de prendre ta richesse, ton jet. Il veut prendre ton jet, il veut prendre ton argent. C'est ce qui l'intéresse. Est-ce que vous avez vu? C'est-à-dire que parfois, quand vous avez la promesse de Dieu dans votre vie, là, même vos amis peuvent devenir des obstacles à votre réussite. Pour que Dieu puisse vous bénir, il va faire des toiles complots autour de vous. C'est là que vous allez voir que un jour, vous êtes dans le problème et tout le monde vous abandonne. Quand tout le monde vous abandonne, vous êtes en train de pleurer maintenant. Ah! Les gens m'ont abandonné, oh, les gens m'ont abandonné. Mes amis, hey, mes amis, mon ami, faut pas pleurer. Si Dieu a permis ça, c'est parce qu'il veut faire un nettoyage complet autour de toi pour que tu puisses voir clair dans l'affaire là. Et prépare tes esprits. Et rebondir, repartir. Tu prends ton élan et tu cours après. Avec Dieu, bien sûr. Et là, tu seras seul. Chaque jour, Dieu va t'instruire sur comment tu vas faire pour réussir. Et quand tes amis vont te revoir en train de réussir, ils vont revenir encore pour chercher à être amis avec toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oh, on s'était trompé. Pardon, pardon, faut nous accepter encore. Et hey, toi-même, avant le temps, ami, pourquoi tu nous as abandonné? Et là, maintenant, eux qui vous abandonnent, vous nous faites du mal. Ils vont vous accuser à vous, gens, c'est vous qui les avez fait du mal. Ils vont se jouer les victimes. Ah, tu nous as quittés, tu nous as abandonnés, on ne t'a rien fait, pourquoi tu es comme ça? Et même si on t'a fait quelque chose, vous nous pardonner. Ce sont les sorciers aujourd'hui et ce sont les sorciers demain. Comme votre étoile que Dieu a annoncé qu'elle allait briller et que vous allez réussir à commencer à vraiment briller et que vous allez commencer à réussir, ils reviennent pour voir comment ils vont faire pour regagner votre affection encore et puis vous mettre le problème. Ne les acceptez même pas. Remarquez-les bien. Ceux qui vous ont abandonné là, dans votre souffrance, là, regardez bien le visage et retenez bien ce qui s'est passé. Quand Dieu va commencer à faire des grandes choses dans votre vie, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux tous parce qu'ils n'ont pas changé aujourd'hui. Ils n'ont pas changé. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son pays. Ce n'est pas possible. Et toi qui nais dans une famille, si tu arrives dans une famille et que tout le monde t'encourage en tête, même ton papa, même père, tes études, tu dis, ah mon fils, tu vas réussir, va. Tu es sauvé, mais si tu es tombé dans une famille, tu es sorcier. Tu vas acclamer le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il fait pour toi. Parce que les sorciers sont derrière toi. Quoi? Sérieux? Oui. Tout ce que les sorciers peuvent faire contre toi, c'est de te faire souffrir. Tu vas dans une entreprise, tu te poses tes dossiers là-bas. Tu te dis que tu cherches un boulot. Tu vas te poser le dossier. Le diable prend un sorcier qui est dans l'entreprise. Il prend tes dossiers là, il déchire, il met ça dans la poubelle. À chaque fois, c'est ce qu'il fait. Hein, tu envoies ton dossier. Comme ils te connaissent, les sorciers de ta famille vont parler à ce gars-là et lui dire, écoute, voici le gars qui va venir ici demain. Dès que tu vois son dossier, dès que tu vois son dossier là, il faut déchirer. Il ne faut pas que son dossier là rentre ici. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont retardées. Les gens sont là, ah, je cherche, je ne me parle pas depuis, ça ne va pas. J'ai des diplômes, ça ne marche pas. Mon ami, si tu as remarqué ça dans ta vie, la seule solution, donne ta vie à Dieu directement. Et Dieu va te montrer en songe qui sont tes ennemis, ce qui se passe dans ta vie, qui est à la base de tes problèmes. Oui, qui est à la base.
Oui, au temps de Jésus-Christ, quand il est né là, c'était ce roi-là, non? Ce roi-là. C'est le roi Hérode. C'était lui qui était le sorcier de Jésus. Il voulait même le tuer à cause de lui-même son étoile que Dieu lui a donnée, à cause de lui-même sa bénédiction. Ça veut dire que l'heure est grave. C'est là que vous allez voir les gens, ils sont détournés au pays, ils sont détournés. Ils sont détournés de la Koutoukoudrom et de la Bandidrom. On le voit dire, on voit le grand dire que hey, lui, il a fait de longues études. Mais ça ne va pas. Il est là quoi, comme ça avec nous, il est en train de nous regarder. Mon frère, si tu déposes ces dossiers partout et ça ne marche pas là, mets-toi, je le dis, Seigneur, si ça n'a pas marché dans l'entreprise, si ça si te mes dossiers puis ça ne marche pas, c'est que tu as un plan pour moi. Si tu veux moi-même faire de moi un chef, un patron, chef d'entreprise, donne-moi les idées qu'il faut afin que je puisse monter mes entreprises. Même si c'est avec 1 euro, petit à petit, ça va aller. Tu vas prier et Dieu va t'aider à trouver ce que tu dois faire. Il va te montrer tout ça, mes mensonges. Je peux te parler directement. C'est-à-dire que là, que tu veuilles ou pas, il va falloir que tu t'accroches à Dieu. Parce que lui seul peut t'aider. Ton oncle riche de ta famille, il peut pas t'aider. Ou même ta tante riche de la famille, elle ne peut pas t'aider. Personne ne peut t'aider. Si tu veux compter sur les gens, tu seras déçu. Ils vont te faire même perdre ton temps. Et puis ils sont mauvais. Si dans la famille, il y a les gens, il y a les grandes personnes qui sont dans la famille qui peuvent aider les gens. C'est-à-dire les gens de la famille, souvent que vous aimez voir comme les super-héros là. C'est-à-dire toi, ton oncle, il aide tout le monde dans la famille, toi, tu comptes sur lui. Ah, mon ami, ne compte pas sur ton oncle, compte sur Jésus. Compte sur Dieu, mets-toi à genoux et puis compte sur ta force, compte sur ta force, tes deux mains. Bats-toi. C'est-à-dire cherche. Il faut avoir en toi ce qu'on appelle la force de vaincre. Il ne faut pas abandonner parce qu'à un moment donné, tes ennemis vont venir te décevoir. Ils vont venir te décourager, ils vont te dire des trucs. Tu as peut-être monté un projet. Ils vont te regarder comme ça, ils vont se commencer à se moquer de toi. Oh, ça, c'est la connerie. Ils vont te parler comme ça. Oh, ça, c'est la connerie. Tout est ce qu'ils vont te dire. À un moment donné, si tu n'es pas fort et que tu n'as pas la rage de vaincre, tu risques d'abandonner ton propre projet et ils vont se moquer de toi. Mon ami, écoute-moi bien. Si tu vois qu'il y a un pacte, il faut couper le bras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as des amis qui sont autour de toi, qui te donnent de mauvais conseils, qui ne t'aident pas à avancer dans tes affaires, mon ami, c'est pas toi d'eux. C'est pas palable. Tu leur dis, écoutez, moi, j'ai pas vu ça pour souffrir. Je vais avancer. Laisse-moi seul avec Jésus-Christ. On va réfléchir et faire les affaires. Oui. Tu ne dois pas t'asseoir. Tu ne dois pas t'asseoir pour regarder les gens. Pour que Dieu intervienne dans ta vie, là. Tu as un rôle à jouer aussi. Si on te dit que tu seras béni, ne pense pas que tu seras là tranquillement comme ça. Et puis la bénédiction va tomber du ciel. Hein? Hey! On dit toujours que la bénédiction va venir, mais on ne sait pas d'où ça va venir. On ne sait pas d'où ça va venir. Dieu a sa part à jouer. Toi, si tu as ta part. Dans Deutéronome 28, verset 1, Dieu nous dit, si tu obéis au commandement de l'Éternel, là, tu vas voir quoi? Tu vas voir des choses extraordinaires. Dieu va te mettre en haut. Va te mettre en haut, tu seras à la tête. C'est-à-dire que là, tu dois toi-même faire quelque chose aussi. Ça ne sera pas de la magie. La besoin ne sera pas de la magie. Ça va commencer petit à petit. Petit à petit. Comme une goutte qui tombe dans un seau. Ouais, soit tu poses un seau en dessous d'une goutte. C'est-à-dire que tu poses un seau en dessous d'un robinet où il y a la goutte qui tombe. Quand tu poses un seau, qu'est-ce qui se passe? Il y a la goutte qui tombe petit à petit, petit à petit, petit à petit. Le matin, tu lèves le seau est rempli jusqu'à sa déboîte. Tu dis, mais ah, mais comment c'est possible? Hey, non, c'est pas possible. Dieu, tu es forte. C'est comme ça la vie des chrétiens ou bien d'une personne qui veut réussir. Si toi tu t'attends à avoir gros, en même temps tu vas avoir gros, beaucoup d'argent pour pouvoir monter quoi que ce soit, mon ami, tu attends longtemps d'être. Avec le peu que tu as là, sois intelligent. Avec le peu que tu as, sois intelligent. Sois intelligent. Ah, toi tu n'as rien et puis c'est toi qui as les gros. Tu as 2 gros, 3 gros, tu as 5 gros. Tu veux réussir comment? Comment tu veux réussir? Si tu as réussi dans ça, c'est que Dieu est bon. Comme Dieu est bon là, tu peux réussir. Ouais, va ça sera pour toi. Mais tu vas souffrir parce que le diable va les utiliser ces goûts-là pour te faire souffrir.
Tu as dilapidé ton argent comme ça, ton argent. Un jour, quand tu as te retrouvé maintenant célibataire parce que ton argent est fini. C'est là que tu as commencé à dire, c'était quoi? C'est quoi c'est? Mon ami, tu es jeune, tu n'as pas de go. Dis Dieu merci. On dit, oh, merci Seigneur. Si tu as le go, que ça n'arrange pas, pardon, faut le libérer. Faut t'asseoir tranquillement et réfléchir sur ce que tu vas mettre en place. C'est là, c'est l'argent qui appelle femme. C'est là qui appelle femme, non? On m'a dit, c'est là, j'ai la nourriture. Il y avait une go là. Elle m'a cherché comme ça, comme la sainte Marie. Cac, couc, cac, couc. Arrivé à mon niveau, elle a salué tout le monde, elle m'a pas salué. Moi, j'étais là tranquillement, derrière les gens. Je vais acheter la nourriture. Dès qu'il était prêt maintenant à donner la femme là, et qu'elle fait sortir le gros billet. Ah ouais, ça m'énerve là. Oh, sérieux! C'est là, elle veut séduire le pays. Elle veut séduire le pays. Ah, comme tu m'as vu, je suis mal habillé là. Je sens mauvais, tu me négliges. Mais quand Dieu va me regarder, il va me bénir. Tu vas comprendre. Ça veut dire que les femmes qui sont à côté de vous là, les petites filles qui sont à côté de vous là, elles sont là juste pour vous faire perdre le temps. Ça veut dire qu'elles sont placées là. Elles sont pas là pour rigoler avec vous. Elles sont en train de travailler pour le démon. Enlevez les petites go, hein. Les gens qui vont vous mentir pour vous dire que oh, si tu ne touches pas une fille, tu seras coagulé jusqu'à qu'on va te toucher quoi. C'est du lait. C'est du lait qui va sortir. C'est ça les menteurs aujourd'hui. Ils ne veulent pas voir Dieu aujourd'hui, ils ne veulent pas voir bien demain. Ils sont mauvais. Ils sont des diables. Ils sont remplis. Même regardez les clips vidéo, la musique aujourd'hui. Quand vous regardez les clips, qu'est-ce que vous voyez? On voit les gens, quand ils voient les femmes, elle est jolie, elle est comme elle est. Et puis les filles aussi, elles sont des marchés, sexy, tout, 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 tout. Tout ce que vous êtes de voir là, ce sont les choses que le diable a créées pour faire perdre le temps. Ce sont des mauvais gars, ce sont vos ennemis, les gens. Ce sont vos ennemis, ils sont en train de vous détruire. Assieds-toi, prie. Faut te concentrer sur ton bara, ton travail. Tu gagnes 1 euro. Divise en deux. Garde un peu. Tu vas investir. Faut être intelligent. Faut être intelligent. Il faut avoir des restrictions. L'argent qui t'a gardé, si toi-même tu ne touches pas, faut pas donner ça à quelqu'un. Parce que les sorciers que Dieu m'envoie, toujours sans que le problème. Ah, il y a un problème de huile rouge, pardon, mais il y a un problème de piment, pardon, voisin, mon ami. Là où ta main n'arrive pas là, faut pas le faire. Même Dieu lui m'a dit, si tu veux donner quelque chose à quelqu'un, puis t'en mets ton cœur chaud là. Donner. Donc faut pas t'énerver. Il y a trop de paramètres. Trop de paramètres à exploiter. Mais ce que je peux vous dire, inspirez-vous des histoires de la Bible. Aucun souci ici ne peut t'empêcher de réussir. Aucun. Juste, il faut avoir les secrets. Mets ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Évite le goût, évite les femmes. Et puis évite la masturbation. La masturbation est un péché qui empêche les gens de quitter ici, là. Et puis d'arriver ici. Et tu comprends? Ça empêche les gens de quitter là, là, à ce niveau ici, là-bas, là. Pour venir ici. C'est-à-dire, ça empêche les gens d'évoluer. Ça empêche les gens d'évoluer. Si tu vois Monsieur Masturbation, si tu vois Monsieur Pornographique, tu vois Monsieur Pornographique, les films pornographiques, tout ça, tu lui dis, écoute, moi, je n'ai pas été appelé, je vais évoluer. Laisse-moi tranquille. Arrête de moi, Satan. Ils vont se retirer. Mais ce sont les démons, ce sont les mauvais gars, ce sont les mauvaises go, les démons. Ah! Mais la question que je te pose, c'est si tu veux réussir ou pas? Si tu veux réussir, sois intelligent. Il faut donner ta vie à Dieu. Il faut être du côté de Dieu. Tu es du côté de Dieu, non? Mais Dieu va se battre pour toi. Et puis, il te dit une chose. Paye ta dîme. Le 1/10 de tous tes revenus. Il faut être fidèle. Même si tu gagnes 1 euro, pense à Dieu. Tu dis, ah ouais, Dieu, tu m'as donné la force, la santé. Je vais payer dans les 1 euro que je viens de gagner, là. Je vais te donner ta part. C'est-à-dire le 1/10 de tes revenus. Et tu n'es pas. Et tu donnes la part de Dieu. Si c'est 1000 francs, pour Dieu, c'est combien là? Je pense que c'est 100 francs. Tu donnes cet euro. Tu donnes ça où? Dans l'église. Dans l'église de Dieu. Ce sont Dieu. Même tu peux faire des offrandes. Ce sont des choses qui vont vraiment faire beaucoup de choses pour toi. C'est important.
si tu veux vraiment progresser, réussir et même bien gérer ton argent, il faut le faire. Et tu vas vraiment faire beaucoup de combats pour toi. C'est-à-dire que toi, dès que ton étoile brille, que tu as de bien même réussir comme ça, j'ai déjà réussi là, les ennemis ne vont pas dormir, ils ne pensent pas que c'est fini. Ils seront toujours derrière toi tant que tu es vivant et tu es sur la terre. Tes ennemis seront là, en cherchant toujours les voies et moyens de te faire tomber, de te faire chuter. Et je vais te dire un truc, ne te décourage jamais dans la vie. Je vais te dire encore une autre chose. Si on t'insulte, que ça ne te fasse pas mal. Si Dieu descend pour t'insulter, ça quand te fait mal. Mais si un être humain t'insulte, que ça ne te dise rien. Si les gens parlent du mal de toi, tu t'en fous aussi aujourd'hui. Et puis tu t'en fous demain. Tout ce que je t'ai dit, si tu veux résumer mon ami, faut écouter. Et il faut t'éloigner, il faut vivre caché. Faut pas t'exposer, genre, ouais, c'est moi le milliardaire, c'est moi le milliardaire, ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, j'ai construit ça, j'ai fait ça. Cache-toi. Tout ce que tu recherches, les bâtiments, les quoi, le succès, tout ça sont des choses éphémères. Concentre-toi sur l'essentiel. Dieu veut t'utiliser aussi pour pouvoir délivrer son peuple. Il y a les vrais gars, les vrais chrétiens qui ont des diplômes, qui ne savent pas comment faire pour travailler, ils ont les deux bouts. Si Dieu a permis que toi tu réussisses, c'est pour les aider aussi. Construis une entreprise en bonne et due forme et emploie les vrais chrétiens, les vraies personnes qui ont besoin vraiment d'aide. Les gens qui ont faim là, d'ailleurs, même qui sont sans abri. Si Dieu t'envoyait en haut, après toutes ces souffrances que tu as connues, c'est pour que toi aussi tu sois son pot par rapport aux gens qui souffrent et que tu puisses faire quelque chose, même si c'est dans les secrets. Il faut que tu fasses cela dans les secrets. Il faut même pas t'afficher. Ah! Donc, en conclusion, tu peux réussir. Mais ce sont les démons et le diable et ces sorciers-là qui sautent. Concentre-toi sur tes objectifs. Concentre-toi sur tes objectifs. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Dieu est avec toi. Surtout, prie et ne néglige jamais tes songes. Ce que je dis, tout le monde en songe. Lis beaucoup la Bible. Là, tu vas avoir des facultés, des choses qui vont permettre au Saint-Esprit de beaucoup te parler. Un esprit de discernement. Si tu es trop gentil, c'est bien. Mais si tu fais du bien aux gens et tu rends ça mal, arrête ta gentillesse là. Va te cacher. Ce sont les choses qui vont vraiment vous aider. Personne ne peut t'empêcher de réussir, je reprends. Je répète. Personne sur la terre ici ne peut t'empêcher de réussir. Même le diable lui-même. Il fait du bruit pour rien. Si Dieu a dit que tu seras béni, tu seras béni. Mais fais attention. Fais car attention à ne pas ouvrir des portes au diable, comme la masturbation ou chercher les formes des autres. Bon, je pense que je vais bien vous donner les vrais conseils encore même. Si vous êtes chaud, laissez beaucoup de j'aime. Si vous avez compris aussi les j'aime. Et puis, si vous avez des questions, laissez en commentaire. Après, vous êtes abonné et activez la cloche. C'est parti.